Oh, l'amour profond de Jésus, libre, insondable et puissant. Coule comme un grand fleuve, se déversant sur moi avec bénédiction. Tout autour de moi se déverse et m'entoure. Le fleuve riche de ton amour. Il me conduit vers l'avant. Et me mène vers le haut jusqu'au repos dans le lieu céleste. Oh, l'amour profond de Jésus. Sois loué de lieu en lieu. Comme il aime. Il aime toujours. Sans jamais changer. Comme il nous a richement bénis. Étant mort en tant que fils de l'homme, comme il se souvient toujours de nous, même là-haut, devant le trône. Oh, l'amour profond de Jésus. Personne n'aime comme toi, Seigneur. Il est pour moi un fleuve de bénédiction. Et un port vers le doux repos. Oh, l'amour profond de Jésus. Est pour moi le ciel. Des cieux. Il élève à la gloire, car il m'élève, Seigneur, vers toi. Amen. Allume ton feu, Seigneur, dans mon cœur. Qu'il brûle avec éclat pour toi, précieux Sauveur. Que ce que je suis et ce que j'ai t'appartiennent. Dans tes mains, tiens-moi ferme. Source de vie. Et source de joie. Tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu écoutes mes prières. Tu me sauves de toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Tu me préserves quand Satan menace.
es le Sauveur et Seigneur du péché et de la mort. Dans les ténèbres du monde, tu brilles pour moi comme une étoile. Seigneur, reste avec moi et ne sois jamais loin de moi. Source de vie, source de joie, tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu écoutes mes prières. Tu me sauves, tu m'aides de toute détresse. Jésus, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Bientôt brillera sur nous la lumière éternelle de Dieu. Réjouis-toi, âme, et ne désespère pas. Que tes plaintes se taisent, ou abandonne tes plaintes lorsque le chant retentit. Foi glorieuse, notre Seigneur vient bientôt. Source de vie, source de joie, tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu écoutes mes prières et tu m'aides dans toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, nous saluons chaleureusement tous ceux qui sont maintenant connectés pour écouter la parole d'une bouche mandatée. Oui, nous aurions bien aimé que le frère Frank soit à nouveau ici parmi nous, mais nous sommes aussi reconnaissants de ce que nous pouvons encore écouter ce message vidéo fraîchement d'une bouche mandatée. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il garde son serviteur, qu'il le protège et qu'il le bénira. Il lui donnera de forces nouvelles afin que nous puissions encore écouter la parole d'une bouche mandatée. Lisons une parole de la Bible. Je lis dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 27 jusqu'au verset 31. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma destinée est cachée au Seigneur et mon droit est ignoré de mon Dieu. Verset 28. Ne le sais-tu pas ou ne l'as-tu pas entendu? Le Seigneur est un Dieu éternel, le Créateur de la terre. Il ne se fatigue point et il ne s'épuise point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et donne la vigueur en abondance à celui qui est faible. Même si les adolescents se fatiguent et se lassent, et si les jeunes gens tombent en chancelant, ceux qui espèrent au Seigneur reçoivent de nouvelles forces, des ailes nouvelles leur poussent comme des aigles, afin qu'ils courent et ne se fatiguent pas, qu'ils marchent et ne se lassent pas.
jusqu'ici cette précieuse parole. Le Seigneur est encore miséricordieux et fidèle. Le Seigneur est le même, car il est tout-puissant. Il est Dieu qui est depuis le commencement. Il ne change pas et sa grâce demeure grâce. Sa fidélité demeure fidélité. Même si nous, les hommes, nous changeons, Dieu, lui, ne change pas. Et nous l'avons lu, ceux qui espèrent au Seigneur recevront des forces nouvelles. Puisse cela être notre partage, que nous soyons à nouveau fortifiés par cette méditation de la parole d'aujourd'hui, en sorte que nous puissions véritablement repartir de ce lieu avec joie, car nous avons entendu la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Franck, qu'il le fortifie dans le corps, l'âme et l'esprit. Nous voulons prier. Fidèle Père Céleste, à toi soit la louange, la gloire et les remerciements pour toute ta fidélité, pour toute ta bonté. Oui, tu es le même. Tu écoutes encore quand nous t'invoquons. Tu nous fais marcher, Seigneur, dans tes voies. Et Seigneur, garde tes mains protectrices sur chacun de ceux que tu as appelés. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons encore nous rassembler librement. Seigneur, puisses-tu nous bénir de la richesse de ta grâce. Nous louons et glorifions ton merveilleux et glorieux nom pour cela. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi, je voudrais vous saluer tous très, très chaleureusement depuis Zurich et souhaiter à tous, dans tous les peuples et toutes les langues, souhaiter à tous la bénédiction de Dieu et que tous puissent comprendre correctement le message et expérimenter leur préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Frère Scherer a lu une parole puissante d'Ésaïe 40. Nous savons tous ce qui est écrit au verset 3 du chapitre d'Ésaïe 40. Une voix crie dans le désert, « Frayez le chemin au Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu. » Le prophète Ésaïe a présenté de manière particulière la naissance du Rédempteur et tout ce qui a suivi et qui faisait partie du plan de rédemption. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa précieuse et sainte parole. Maintenant que nous avons cette émission depuis Zurich, laissez-moi faire la remarque suivante. Que frère Branham ne pouvait pas oublier les réunions de la Suisse. Il y a toujours fait référence. Il a même montré sa montre et dit, ça c'est une montre suisse qui a coûté 300 dollars. Il a été reçu
comme serviteur de Dieu. Et c'est ainsi que des milliers de personnes ont été bénies lors des rassemblements de 1955. Nous ne voulons pas entrer en profondeur dans tous ces détails. Ce qui nous importe, c'est d'apporter véritablement le dernier message au peuple de Dieu et demander à tous de croire de tout cœur. Car l'incrédulité est un péché qui entraîne tout simplement la séparation d'avec Dieu. La foi relie à Dieu et à la parole de Dieu, mais l'incrédulité détache de Dieu et de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi qu'il nous soit donné de croire de tout cœur ce que Dieu a promis et ce qu'il fait. Nous allons encore brièvement revenir sur deux versets du texte que frère Scherer a lu. Je t'en prie. Nous lisons d'Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ou ne l'as-tu pas entendu? Le Seigneur est un Dieu éternel, le Créateur de la terre. Il ne se fatigue point et ne s'épuise point. On ne peut pas sonder son intelligence. Louange et remerciement au Seigneur. Ne l'as-tu pas entendu? Ne le sais-tu pas qui est Dieu et ce qu'est Dieu, qu'il existe d'éternité en éternité? On ne peut pas sonder sa puissance et sa fidélité. Il soutient ceux qui tombent. Il secourt ceux qui sont dans la détresse. Sa miséricorde est grande. Aujourd'hui aussi, il relève tous ceux qui sont tombés. Aujourd'hui aussi, il aide tous ceux qui reviennent ou qui viennent à lui et les bénit de la richesse de sa grâce. Je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 1, des versets 1 et 2. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, un serviteur de Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qu'il a promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. À cela, nous disons Amen. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas affaire à Paul et à Pierre, mais nous avons affaire au Dieu vivant qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et notre Seigneur a ensuite entrepris la fondation de l'Église. Premièrement, la rédemption par le sang de la Nouvelle Alliance, puis ensuite la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Les rachetés sont ce que Dieu a de plus précieux sur la terre.
Il ne s'est donné lui-même pour rien d'autre si ce n'est seulement pour nous. Il s'est fait semblable à nous dans la chair pour prendre sur lui tous nos besoins et nos péchés, tout ce qui nous accable et nous a séparés de Dieu, pour mourir sur la croix, pour nous donner le pardon par grâce et la réconciliation avec Dieu. Et nous sommes très, très reconnaissants que la rédemption implique véritablement l'être humain tout entier, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. Tout, la pleine rédemption, le plein pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Nous avons pu l'expérimenter avec notre âme par grâce. Et en deuxième position vient la pleine délivrance de notre esprit de tous les désirs, de toutes les passions, de tout ce qui nous asservissait, de tout ce qui nous tourmentait. Nous avons été libérés par le sang de l'agneau. Et puis, en troisième vient la rédemption du corps, c'est-à-dire déjà en avance la guérison que Dieu nous a donnée. Ainsi, les trois choses, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps ont donc été incluses dans la rédemption et nous appartenons entièrement à Dieu dans l'esprit, l'âme et le corps. Et nous nous sommes consacrés à lui et nous allons maintenant expérimenter notre préparation pour sa venue par grâce. Je t'en prie. Nous lisons de Galates, chapitre 1, les versets 11 et 12. Galates, chapitre 1, versets 11 et 12. Chers frères, je vous fais remarquer en effet que le message du salut digne de confiance que j'ai annoncé avec assurance n'est pas à la manière des hommes. Je ne l'ai pas aussi reçu d'un homme, ni appris en prenant des leçons, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Dans la première parole, celle de Romains 1, nous avons entendu que Paul avait reçu un appel direct. Il pouvait dire quand cela a eu lieu, où cela a eu lieu, à quelle heure cela a eu lieu. Et c'est pourquoi il lui a été donné l'autorité divine pour l'appel divin et pour la proclamation de la parole divine et du message divin du salut. Il faut tout simplement que nous ayons reçu un appel divin. Et puis, il pouvait dire que sa proclamation n'était pas à la manière des hommes, mais qu'elle venait de Dieu, qu'il ne parlait pas pour plaire aux hommes, mais qu'il annonçait le conseil de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Pas son opinion, pas ses paroles, mais le message divin de salut a été proclamé par lui. Et je peux témoigner de la même chose. Je n'ai jamais proclamé la parole à la manière des hommes, mais toujours telle qu'elle est écrite par la grâce de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est de cela qu'il s'agit aussi maintenant. Le mandat qui a été donné à Frère Branham était d'apporter le dernier message divin avant le retour de Jésus-Christ. Et ainsi, nous remercions le Seigneur de ce qu'il a accompli son mandat et nous remercions le Seigneur de ce qu'après son retour à la maison, le message a pu être porté dans le monde entier. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Timothée chapitre 1, verset 3. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Après mon départ pour la Macédonie, je t'ai demandé de rester plus longtemps à Éphèse afin que tu ordonnes à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères. Paul, qui attachait une si grande importance à la sainte proclamation de la sainte parole, a dû dire à Timothée, « Je t'ai laissé là-bas afin que tu ordonnes à ceux qui enseignent des fausses doctrines que tu leur ordonnes au nom de Jésus-Christ notre Seigneur de ne pas enseigner des doctrines étrangères, mais seulement ce que Dieu a promis dans sa parole et ce qui y est écrit. Seulement ça pouvait être proclamé et cela est valable encore aujourd'hui. Tous les autres peuvent proclamer ce qu'ils veulent, mais celui qui a été réellement appelé et envoyé par Dieu ne peut dire que ce que Dieu a dit, ne peut que proclamer ce qui a été proclamé au commencement par les apôtres. Je t'en prie. Nous lisons d'Apocalypse chapitre 2, verset 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance et que tu ne supportes pas le mal. Tu as aussi éprouvé ceux qui se font passer pour des apôtres sans l'être. Et tu as reconnu en eux des menteurs. Ceci est aussi une parole si sérieuse. Tu les as éprouvés. Oui, comment? Sur base de la parole de Dieu, tu les as éprouvés. Ceux qui se faisaient passer pour des apôtres, et tu as reconnu en eux des menteurs. Parce qu'ils n'étaient pas en accord avec la sainte doctrine des apôtres dans leur proclamation. Il en va de même
encore aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas à 100% en accord avec l'enseignement des apôtres ont ajouté leurs propres interprétations et ce sont des mensonges qu'ils proclament. C'est pourquoi il faut insister. Le temps est là de ne croire que Dieu, car tout homme est un menteur. Et celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Amen. Je t'en prie. Nous lisons de Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonçait un autre message de salut que celui que nous vous avons annoncé, malédiction sur lui. Quelle parole sérieuse! Même si un ange venait du ciel et vous annonçait un autre message de salut que celui-ci, que la malédiction soit sur lui. Qu'il soit vêtu de blanc, avec un vêtement et un visage pieux, si avec sa proclamation, il n'est pas en accord avec ce qui a été laissé ici par grâce par les apôtres, vous pouvez l'oublier, il n'a pas d'appel. Celui qui a un appel divin proclamera la même parole divine que comme les apôtres l'ont fait. Je t'en prie. Nous lisons de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 et 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 et 11. Nous lisons le verset 10. Et par toutes sortes de tromperies, d'injustices pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas embrassé l'amour de la vérité pour obtenir leur salut. Ça, c'est une parole sérieuse. Parce qu'ils n'ont pas embrassé l'amour de Dieu pour expérimenter personnellement leur salut. C'est pourquoi Dieu leur a envoyé un puissant égarement. Parce qu'ils n'ont pas accepté ce qui a été donné par l'Esprit de Dieu, mais ils ont présenté leur propre esprit, leur propre connaissance. Et c'est pourquoi Dieu a permis qu'ils reçoivent un puissant égarement. Je t'en prie. Verset 12 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et c'est pourquoi Dieu leur envoie un puissant égarement afin qu'ils croient le mensonge. Nous l'avons déjà souligné. C'est pourquoi Dieu leur envoie l'égarement. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Ou parce qu'ils n'ont pas accordé la foi à la vérité. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. On ne peut pas simplement associer ou mettre ensemble la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Non. Dieu est vrai et sa parole est vraie. Et nous sommes si reconnaissants de ce que nous
Vivons dans le temps de l'appel à sortir. Car le ministère de Frère Branham consistait vraiment à appeler à sortir de tous les enseignements, de toutes les traditions, de toutes les interprétations humaines. Appeler à sortir de tout et à être ramené à Dieu, ramené au commencement, car comme le commencement était, ainsi aussi doit être la fin. Et pour cela, Dieu nous a accordé sa grâce et nous avons reconnu le temps et l'heure. Nous avons reconnu de quoi il s'agit maintenant. C'est véritablement le dernier appel, le dernier message avant le retour de Jésus-Christ. Et nous devons accepter et recevoir toute correction et laisser la parole de la vérité seule être valable. Car c'est ainsi qu'il est écrit, « Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Personne ne peut être sanctifié s'il est dans l'erreur des fausses doctrines. C'est impossible, mais que nous soyons sanctifiés dans la parole de la vérité et avec cela, que nous soyons sanctifiés dans la volonté de Dieu et que nous puissions expérimenter notre préparation pour le retour glorieux de Jésus-Christ par grâce. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas qu'aucun injuste n'héritera du royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les débauchés, ni les violeurs d'enfants, ni les voleurs, ni les escrocs, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les brigands n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est une parole très, très sérieuse. Nous avons entendu la liste des 10 choses qui nous sépare du royaume de Dieu. Ni les menteurs, ni les adultères, ni les violeurs d'enfants. Et chacun peut lire toute la liste jusqu'au calomniateur. Aussi, aucun calomniateur ne verra le royaume de Dieu. Aucun calomniateur ne sera présent lors du retour de Jésus-Christ. Un calomniateur est comme un adultère, comme un criminel, comme un menteur, comme un sorcier. Un calomniateur est un homme satanique. Et nous devons simplement en prendre acte. Et nous vivons en effet dans un temps où toutes ces choses se produisent, où des violeurs d'enfants, où toute cette liste, tout ce qui a été énuméré se passe dans notre temps comme jamais auparavant. Et si nous pouvons ensuite mentionner quelle douleur me traverse, quelle douleur est la mienne lorsque Frère Branham
à être né dans les pires calomnies. C'est inconcevable. Et je veux simplement le mentionner brièvement. Il y a quelques jours, un homme venu d'Iran est venu ici dans le bureau et a brièvement rendu témoignage ou raconté ce que Dieu fait. Mais ensuite, il a mis la main dans son bagage et a sorti un livre, un très gros livre. Et ce livre ne parlait que de Branham et une calomnie après l'autre. Je lui ai alors dit, ou j'ai alors dit au bureau, « S'il vous plaît, faites une copie du livre. » Et je lui ai alors dit à ce frère, « Prends ce livre et sors du bureau. » Voici la copie du livre. Et du début à la fin, comme il nous l'a décrit, frère Branham a été calomnié. Tout a été remis en question. Son enseignement, ses expériences, les expériences surnaturelles, tout a été mis en doute, remis en question. Rien d'autre qu'un livre de calomnie. Et frères et sœurs, je fais partie de ceux qui ont connu frère Branham pendant 10 ans. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu d'avoir été témoin oculaire et auriculaire, reconnaissant de ce que le Seigneur, véritablement, dans notre temps, a fait la même chose que ce qu'il a fait à l'époque où il marchait sur la terre. Le même ministère, le même don prophétique, le même don de guérison, tout s'est répété dans notre temps. Et Jean chapitre 12, verset 12, s'est accompli. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes que celles-ci. Et de la même manière, c'est accompli ce que notre Seigneur a dit. Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et le Fils le fait pareillement. Selon Jean 5, verset 19. Notre Seigneur et Rédempteur était aussi prophète. Il était sacrificateur. Il est tout en tout. Mais Moïse avait bien dit, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Vous pouvez le lire dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. Le même ministère s'est répété. Frère Branham voyait premièrement dans une vision quelle était la situation de la personne qui se tenait devant lui et pour laquelle il devait prier. De la même manière que c'était pour notre Seigneur. Il pouvait dire aux gens comment ils s'appelaient, qui ils étaient, d'où ils venaient, ce qu'ils avaient fait et quelle maladie ils avaient. Et je me répète, le même ministère s'est produit dans notre temps. Et que le Seigneur soit véritablement remercié de ce que la confirmation divine a eu lieu, comme dans le ministère de notre Seigneur. C'est ainsi que ça s'est passé.
Des aveugles de naissance ont recouvert la vue. J'étais présent lorsque cela s'est produit en août 1955. Les morts ont été ressuscités. Tout ce qui s'est passé dans le ministère de notre Seigneur s'est passé dans le ministère que le Seigneur a donné à Frère Branham. Ce n'était pas l'homme. Frère Branham était un homme comme nous. Élie a dit de lui-même, ou d'autres l'ont dit de lui, il était un homme comme nous, selon Jacques chapitre 5, verset 17. Mais ici, il s'agit de Dieu et de ce que Dieu a fait. Il n'a pas seulement envoyé son prophète comme il l'avait promis. Voici, je vous envoie le prophète Élie. Avant que n'arrive le grand jour et terrible du Seigneur, selon Malachie 5, verset 4. Par grâce, il a donné la confirmation de l'envoi. Ce n'était pas seulement un message. Retour à Dieu, retour à la parole. Un Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dans tous les enseignements, dans toutes les pratiques, nous avons été ramenés au commencement par le ministère de Frère Branham. Et si j'y pense, et si je peux le mentionner encore une fois, vous savez ce que Frère Branham m'a dit. Oui, je devais emmagasiner la nourriture qui a été enregistrée sur les bandes des prédications. Toutes ces bandes, tout ce qui a été écrit ou qui a été dit a bien été documenté. Nous avons ce que Dieu a fait dans plus de 1000 prédications et nous pouvons nous en laisser convaincre, nous laisser convaincre de ça. Et nous n'avons pas besoin de croire un seul menteur, un seul calomniateur qui n'a connu ni le frère Branham, ni le Seigneur, qui n'a expérimenté aucune conversion, ni encore moins reçu un appel. Il est grand temps que nous prenions cela au sérieux et que nous puissions véritablement remercier Dieu le Seigneur de ce qu'il a envoyé son serviteur et prophète. Si je vous répétais tout ce que j'ai vécu avec cet homme de Dieu que j'ai connu pendant 10 ans et dont j'ai été dans les réunions à maintes reprises, avec lui dans la maison, voyager avec lui dans la même voiture et assister à des rassemblements ici et là. Frères et sœurs, je ne raconte pas d'histoire. Je suis un témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi je dois dire dans tout le sérieux, celui qui prête l'oreille aux calomnies est détaché comme tout adultère, tout menteur, tout magicien ou sorcier et toutes ces choses qui sont énumérées dans les Saintes Écritures. Il est détaché une fois pour toutes. Alors, n'acceptez rien qui ne vienne de Dieu. Et les critiqueurs eux-mêmes n'ont rien, rien n'a prouvé, rien n'a montré. Ce sont des calomniateurs qui sont sous la malédiction. Alors, écoutons encore un instant. Je t'en prie.
Nous lisons d'Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas de place aux calomniateurs. Ça aussi fait partie de la chose. Déjà, Paul devait souligner, ne donnez pas de place aux calomniateurs. Ne l'accueillez pas du tout dans vos maisons. Que dit l'apôtre Jean dans sa deuxième lettre au verset 10? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez même pas. 2 Jean chapitre 1, verset 10. C'est une chose sérieuse qui doit être soulignée. Et dans cette réunion ici depuis Zurich, je dois le dire, que tous ceux qui pêchent et qui reçoivent ce que des calomniateurs disent sur le frère Branham se détachent tout comme les calomniateurs se détachent. Que Dieu accorde sa grâce, car le mandat demeure. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi toi, frère Branham, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et frères et sœurs, si même l'expérience du 11 juin 1933 est remise en question, alors moi, en tant que frère Franck, je dois me lever et simplement dire, j'ai vu personnellement à la réunion de Jeffersonville en avril 1966, 10, 11 ou 12 personnes. J'ai vu 11, 12 personnes qui se tenaient au bord du fleuve Ohio en 1933 et qui ont été témoins du puissant grondement qui a eu lieu. Et c'est alors que frère Branham a reçu le mandat. Beaucoup d'entre eux ont témoigné d'être tombés sur leurs genoux lorsque la lumière surnaturelle est descendue et que la voix s'est adressée à frère Branham. J'ai vu ces personnes de mes propres yeux et je peux vous dire, je suis effectivement allé avec frère Rousse et quelques témoins au bord du fleuve Ohio. J'y suis allé. Je me suis tenu avec mes propres pieds là où cela s'est produit. Frères et sœurs, Dieu a simplement fait en sorte que dès le commencement, je sois familiarisé avec ce que Dieu a fait et continue à faire dans ce temps. Amen. Je t'en prie. Nous lisons d'Apocalypse chapitre 3, verset 6. Apocalypse chapitre 3, verset 6. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceci doit simplement être souligné plusieurs fois. Celui qui a une oreille ouverte, qu'il entende ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église par la parole de Dieu. Et je suis reconnaissant de ce que tous ceux qui ont une oreille ouverte par Dieu en ce temps, ils n'entendront que ce que l'Esprit de Dieu a
à dire à l'Église. Et Frère Branham a été le septième ange de l'Église que Dieu a utilisé pour véritablement tout remettre sur le chandelier. Au total, il y a eu sept âges de l'Église, sept anges dans toute la période du Nouveau Testament, mais dans la dernière période, dans le dernier ange, que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ensuite, il est mis l'accent sur celui qui vaincra, celui qui vaincra. Et qui va vaincre? Qui va vaincre? Seulement celui qui entend ce que l'Esprit a à dire aux églises. Il s'assiera avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Selon Apocalypse chapitre 3, verset 21. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de répéter ceci encore une fois. Quelles calomnies ont été répandues sur notre Seigneur? Est-ce qu'un scribe, un pharisien, un souverain sacrificateur, un sacrificateur, est-ce qu'un seul d'entre eux a-t-il reconnu que Jean-Baptiste était l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 40, verset 3 et de Malachie chapitre 3, verset 1? Tous ont continué à lire dans leur Torah. Tous étaient pieux. Tous ont observé leur sabbat. Mais, ils étaient des conducteurs aveugles, critiquant encore tout ce que notre Seigneur a dit et a fait. Pour eux, il n'a rien dit de bon. Pour eux, il n'a rien fait de bon. Ils ont tout critiqué et sont ainsi devenus les premiers calomniateurs. Et c'est ce qui se produit aussi dans notre temps. Je t'en prie. Nous lisons le dernier passage biblique de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie tout entier et que votre être ainsi que votre âme et votre corps soient conservés entièrement irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! C'est ce que je crois de tout mon cœur, que tous les élus qui croient véritablement Dieu de tout leur cœur maintenant, et c'est tout ce que nous pouvons faire, et celui qui croit verra la gloire de Dieu. La foi est la victoire qui a triomphé du monde, selon 1 Jean 5, 4. La foi en la vérité est la victoire sur toute calomnie, sur tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et je le dis véritablement encore une fois, le Seigneur a donné à notre bien-aimé frère Branham un appel, un envoi, un mandat. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et si je peux le dire aujourd'hui, dans toute humilité, le même frère Branham m'a répété ce que le Seigneur m'a dit lors de mon appel et
a confirmé ce que le Seigneur m'a dit le 2 avril 1962. Frères et sœurs, je peux aussi le dire, en vertu de l'appel et de l'envoi divin, j'ai le devoir et la suprême responsabilité devant le Dieu vivant de proclamer la parole en toute vérité. Et pour que tous les frères qui servent le sachent, qu'ils sachent aussi que Paul n'était pas le seul qui a prêché en son temps. Il avait de nombreux collaborateurs. Il avait Timothée, Tite, Philémon. Et dans Romains chapitre 16, un grand nombre de ses collaborateurs sont mentionnés, et ainsi que dans d'autres passages. Mais aucun des collaborateurs n'avait le même appel, la même expérience surnaturelle. Pas un seul d'entre eux n'a vu la lumière surnaturelle. Pas un seul n'a entendu la voix audible du Seigneur. Mais ils avaient un appel pour proclamer la parole comme Paul. Il en est de même aujourd'hui. Pas un seul de tous les frères, dans tous les peuples et toutes les langues, n'a eu une expérience surnaturelle directe. Pas un seul n'a pu dire jusqu'aujourd'hui, là et là, le Seigneur m'a parlé et m'a dit ceci et cela. Pas un seul. Mais tous les frères ont maintenant le même droit, la même parole, le même message à porter. Et frères et sœurs, aussi certain que le Seigneur m'a appelé d'une voix forte, mon serviteur, lis 2 Timothée chapitre 4. C'est adressé à toi. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça signifie. Là, dans 2 Timothée chapitre 4, il est écrit au verset 1, « Je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus qui jugera les morts. Prêche la parole en toutes circonstances, favorables ou non. » Car plusieurs se présenteront et exposeront diverses doctrines. J'ai été directement engagé par Dieu à ne prêcher que la parole. De même, frère Branham était destiné à emmagasiner la nourriture spirituelle dans les prédications. Et c'est de la même manière que le Seigneur m'a dit, « Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, versets 45 à 47, pour distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable. » Aucun frère sur la terre ne peut le dire. Mais tous les frères peuvent redistribuer, retransmettre la même nourriture. Car je l'ai reçue du Seigneur par le frère Branham, comme autrefois les hommes de Dieu ont reçu par le ministère de l'apôtre Paul, ce qu'ils allaient retransmettre et proclamer. De même, dans notre temps, nous avons reçu
par le ministère de Frère Branham ce que nous devons retransmettre. Et mon mandat est de transmettre à tous les frères dans le monde entier ce que le Seigneur nous a donné. Que Dieu bénisse tous les frères qui servent dans toutes les langues, dans tous les peuples. Amen. Et puisse le Seigneur agir puissamment dans peu de temps et mener son œuvre de rédemption à l'achèvement et revenir pour nous chercher et nous amener à la maison. Je conclurai avec les paroles que j'ai prononcées lorsque j'ai commencé à accomplir le mandat en 1966. Bien-aimé Seigneur, j'irai de ville en ville. Je proclamerai ta parole. Je vais retransmettre et distribuer la nourriture. Mais j'ai une demande à te faire. Que tous ceux qui ont entendu ta parole de ma bouche aient part à l'enlèvement et soient prêts lors de ton retour. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. How far does Frieden getragen, über Strausen gemerde, porté sur les ailes d'aigle, sur la mer mugissante de ce temps, porté sur les ailes d'aigle, jusque dans l'éternité. Au-delà des montagnes, au-delà des vallées et des plaines, toujours plus haut vers les hauteurs célestes, les ailes qui me portent sont puissantes, les ailes sur lesquelles je me tiens. Et sous les mêmes ailes, comme je me repose merveilleusement. Là se trouve mon refuge. Ma maison forte et sûre. L'ennemi peut tourner autour de moi et viser et espionner comme il veut. Les ailes qui me couvre sont puissantes. Et sous tes ailes, le calme règne. Amen. Oui, protégé sous les ailes. Et gardé sous les ailes. Cela donne un repos bienheureux. Cela donne un voyage heureux. Cela donne une assurance lors des pèlerinages changeants. Car sous les ailes, il y a la paix. Et sous les ailes, la puissance. Amen. Amen.